J'en ai un qui va me taper. Donc, Chuskar contre Guimaudas, enfin plutôt Guimaudas contre Chuskar. Alors, Guimau qui sort son Olimar. Ah bah oui, non mais quelque part, là, Guimau il est là pour jouer sérieux, donc évidemment, jouer sérieux, bah je vais jouer Olimar. On va pas avoir Inkling, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, non, je pense pas qu'on va avoir Inkling aujourd'hui. Désolé. D'accord, non mais y'a pas de soucis, j'aime bien voir Olimar aussi. Et d'ailleurs, ça commence à être agressif, hein. Je sais plus Olimar, il a commencé bien, à faire de taunt-it. Je fais juste un aparté, j'aime bien voir Olimar. C'est nobody ever. Mais c'est pas grave. Alors là, du coup, ouais, bon, c'est vrai qu'au final, je te coupe, mais je déconne, je commente moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mine de rien, c'est pas si sérieux que ça. Parce que bon, là, a priori, si on parle de point de vue purement pronostic, Guimaudas devrait gagner. Ouais, c'est ça. Mais dans le Chuskar, elle a l'habitude des upsets. Oh là là, elle a l'habitude des upsets. Elle commence à connaître Olimar. Oui. À mon avis, on peut pas écarter une surprise. Je pense que le match-up peut être pas mal. C'est quelque chose qui a un petit personnage et tout. Ouais, quoi que. Olimar, c'est des match-up compliqués. Ouais, non, mais Olimar, je sens, dans tous les cas, il est pas facile à gérer. Il faut bien connaître le match-up. Attention, le side. J'ai lu un truc, pire match-up d'Olimar, apparemment. Ouais. C'est le mi épéiste. Oula. D'accord. Allez, l'up smash de Olimar, bah évidemment. Attention, voilà, c'est John Tilt, c'est là. Tilt. Allez, up tilt de Chuskar, elle commence. Donc bon, là, en même temps, à ce pourcentage, il n'y a plus de combo à lancer. Là, il y a juste à essayer de placer un setup pour. Pas vraiment pour kill, mais. Mettre Olimar en mauvaise situation et chercher la réaction et bim! Ah, le smash, non, là c'était ça, tuait pas après, pour c'est du dégât, mais. Ah, en plus, c'est. Pas le truc avec. Chuskar, ouais. Le truc avec Olimar, c'est que les dégâts montent très vite. Après, son petit défaut, en quelque sorte, c'est. Ah. Allez, est-ce qu'elle va le chercher? Elle va le chercher, elle va le chercher? Non. Beaucoup, hein. Mais, attends, ah, le. C'est... Je sais pas, c'était le F-Tilt, ça, je crois. Un ordien, c'est pas. L'un des principaux, enfin, je pense. Allez, voilà le smash. Olimar, il galère peut-être, il fait monter les pourcentages très vite, mais c'est pas si évident que ça. De tuer avec final. Ouais, franchement, après, on parle, c'est pas check non plus, évidemment. On va dire, oula. Mais c'est peut-être là où on peut le chercher. Genre, ok, il monte très vite, mais c'est pas pour ça qu'il va forcément. Toujours les down smash à l'edge avec Olimar, c'est la base. C'est voilà. la base aussi avec Pikachu, c'est... Ouais, ouais, mais... c'est un peu garanti, c'est... Allez, smash. Smash encore. Oula, il a tenté le kill avec le... On l'a vu le smash avec le violet, ça aurait pu tuer. Voilà, ah, bien. Ça, ah, dommage. Elle a quand même bien... Oh non, oh non, oh non, dommage, t'as pas le droit. C'était bien poursuivi. 1-0. Oh, c'est pas... Si, tu pourras tout. Fais ce que tu veux. Allez, les bans des maps sont en train d'être choisis. On va swap sur Kamen, en fait. Voilà. Ah, on a un pichir là, pour choisir les maps. On va sur les mêmes... Et chacun des deux n'est pas dans l'optique de changer de perso aujourd'hui, ça c'est avéré, c'est comme ça. Bah, en même temps, voilà, c'est un grand tour. Le chat, ça dit quoi sur le chat? Ah, bah ouais, il y a. Allez, Pika, le fer. Voilà, c'est ça qu'on aime. J'aime quand ça commence comme ça. Voilà. En même temps, Pika est mieux Kalos, j'ai l'impression. Pika, ouais, Kalos, bonne map pour lui. Attention, c'est qui vient dessus, attention, l'air gauche dans le vide. C'est bon, ah, ça se rattrape. Ouais, donc c'était plus tard pour aller chercher. Allez, un vert. Ah, le. Ouais, ça va. Le violet qui était. Voilà. Enfin, le clair. Qui était grave, mais elle l'a dégagé assez vite. Parce que le paraît que. Allez, le smash. Ah, il a tué les dommages. Oh, encore cool. Oh, allez. Oh, mais regarde, mais c'est quoi mal, il s'est dit, bon, allez, ça y est quoi? F smash. Là, revient, attention, voilà, fatal foudre. F smash, tout F smash. Trou combo. Allez. La vive attaque, voilà. Ça a essayé d'aller chercher le back air. Olimar, toujours là, à se défendre. Voilà, ça se chope. Allez. Vers le haut, ah, fatal foudre. Voilà, ça tue, c'est bon. Allez, c'est. Allez, petit avantage pour Chuskar. Voilà. Allez, là le back throw. Ça. Allez. Attention, les petits. Ouais, les petits. Ouais, qui permettent de revenir quand même un petit peu safe. Allez, upper, voilà. Faire. Allez, bon petit combo. De toute façon, Pikachu, c'est vraiment un perso à la face. Ouais. Hop, allez. Ah, le titre. Et voilà, il est allé chercher. Il a fait son smash. C'était avec le blanc, donc c'était pas un smash puissant. Mais bon, forcément, Pikachu à 130%, bah, il est comme tout le monde, il crève. Hein, je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Allez. Là, attention. Olimar, il a placé son Pikmin blanc, c'était le blanc ou... Ouais, non,
c'était le... Au final, c'est là que tu vois, c'est important la tribu élémentaire, parce que Pikachu, vu que c'est la plupart de ses attaques, c'est des attaques électriques, ben, ouais. Pikmin jaune, il est garanti de se stick dessus, elle peut pas le virer, ou alors elle doit faire des coups très spécifiques, mais c'est vrai que c'est... Bah après, ça veut dire qu'il faut quand même savoir jouer avec son Pikmin jaune au bon moment. Ouais, mais je pense c'est Guimodas, il sait jouer avec ses Pikmin. Je pense que ouais, ouais, non, c'est ça. Il lit l'avenir à ce point comme ça, quoi. Ben, c'est beau, hein. Mais y a pas à lire l'avenir, les Pikmin, ils ont un ordre prédéfini. Oui, mais bon, il faut quand même prévoir de mettre son Pikmin jaune en avant. Ouais, mais justement, voilà. En fait, le truc, c'est qu'en fonction de son action, Guimodas, il fait une action, il voit son Pikmin, et limite, il fait des actions un petit peu balèque dans le vide, histoire de switch les Pikmin. Parfois, tu le vois, il va faire des aerials auxquels il n'y croit pas trop. Attention, ben, violet. Allez, viens. Là, pour le coup, il a fait un petit combo à l'ensemble des deux Pikmin. Violet, regarde, il en a deux. Son coude là avec un Pikmin blanc. Allez, là ça tentait le grave, ça peut faire peur pour Pika, attention. F-Smash. Après c'était sur late hit donc c'est pas énorme mais... Ouf. Olimar là il en a marre, tu vois là c'est deux Pikmin violets, il se dit bon allez vous savez quoi je vais tuer. Même le rouge il a beaucoup de avec le rouge, faut faire gaffe. Mais... Allez. F-Smash, non, ah il veut finir le smash, ça c'est... Ouais. Il a toujours une vie d'avance, dash attack. Sinon ça serait cool qu'elle le tue quand même plus à la dernière vie là. Ah y'a son Pikmin violet qui lance. Voilà. En plus vu que le side B avec le violet c'est le seul qui a un comeback, c'est quand même assez chaud de... Attention. En plus là c'était avec le bleu. Dash attack. Le bleu qui a les meilleurs throws donc je pense que ça aurait pu tuer. Elle va le tuer Pika. Oh, attention voilà. Ah bien, bien. Non. Non ça a touché mais il y a une tech. Ah il a tech, ouais. C'est ça, d'accord. Ok. Après c'était pas sur la réception donc c'était vraiment juste sur l'éclair qui a pas énormément de comeback mais voilà. Attention, smash. Allez, voilà. Smash. Allez. Là pour Chuskar c'est chaud mais c'est jouable. C'est très chaud, c'est toujours plus jouable là. Ouais. Non mais c'est surtout que bon, là tu vois, elle gratte ce qu'elle peut. Va pas, attention. C'est bien, c'est comme ça que ça se passe. Attention. Voilà, back air. Là faut être patient, je pense, pas avoir peur. Non, c'est le mais voilà. Mais là c'était le bleu donc GG. 2-0 GG. Ah mais tu joues toi? Ah bah ok. Bah Ebit, Guimau tu reviens. Ah, quoique non, tu vas aller peut-être aller jouer. Bah écoutez, allez me chercher Cardan tiens, s'il veut bien. Cardan sinon demandez à Enra ouais. Ouais. MRC. Allez, du coup, écoutez, concrètement, je sais pas qui on va... Et au niveau des joueurs, si vous pouvez, Gerudo et Guazon. Alors, attends, je t'en dis deux, comme ça, tu veux... Soit Gerudo, Guazon, soit, s'ils sont pas dispo, Franck et Shaman. Voilà, merci. Oh, c'est bien, ça m'entend en bas, c'est cool, il y a un écho. Alors, vous, sinon, ça va? Tiou? Eh ouais, bah oui, elle a perdu, bah écoute. Bon, en vrai, elle s'est quand même très bien battue... on y a cru un petit peu, voilà. Olimar aime trop F-Smash. Oui, c'est Olimar, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ainsi. De toute façon, on a arrêté de...